Cette affaire n'est pas pour les âmes sensibles. Des victimes? Il manquait que leur tête. Pourquoi ces femmes-là et où le tueur a-t-il pu croiser leur chemin? Il faut le découvrir avant qu'il récidive. Le lien entre les victimes. Les trois ont eu des agissements contraires à l'éthique dont elles pouvaient pas se vanter. Le tueur est offensé par l'immoralité. Ça peut avoir un lien avec une église ou une institution religieuse. Je crois qu'il se sert d'une guillotine. Inédit, Esprit criminel, lundi à 20h55 sur TF1.